Située dans le golfe du Morbihan, la réserve naturelle de Séné est composée d'anciens marais salants, exploités jusqu'en 1950. Depuis, les habitats sauvages ont peu à peu recolonisé le milieu en suivant des dynamiques naturelles. Aujourd'hui, cette zone de vasières, de marais et de prés salés accueille de nombreux oiseaux d'eau. Sédentaires ou migratrices, ces espèces trouvent ici un milieu propice à leur existence et partagent de nombreux points communs. Le repos rythmé par le cycle des marées, l'importance capitale de l'entretien du plumage et l'alimentation à base d'organismes vivant dans la vase. Malgré ces ressemblances, chaque espèce a bel et bien ses caractéristiques physiques et biologiques propres et cherche à maintenir sa place sur le territoire. Les espèces vivent ensemble et se partagent le milieu, formant un tissu d'interaction complexe, pouvant tout aussi bien collaborer qu'être en compétition. Parmi ces espèces, la vaucette élégante. La vaucette élégante a un long bec fin et retroussé qui est lié à une technique de pêche singulière. Elle balaie la superficie de la vase pour en extraire les petits invertébrés. À Séné, le cadre calme et la disponibilité en ressources alimentaires rendent possible la nidification de la vaucette. Chaque ponte est composée de 4 œufs, mais la mortalité juvénile est très élevée et moins d'un œuf sur 4 parviendra au stade de jeune, prêt à l'envol. Le mâle et la femelle ont un plumage identique. Tous deux se relaient pour couver et pour surveiller les petits. Dès le premier jour, les poussins se nourrissent seuls. Un mois et demi plus tard, ils pourront voler et envisager une migration vers les zones d'hivernage. Dans le groupe présent sur la réserve, certains individus sont bagués et d'autres non. Que signifient ces bagues? À quoi servent-elles? Guillaume Gélineau, conservateur de la réserve, étudie de près le comportement migratoire des avocettes. Dans toutes les populations de l'Europe de l'Ouest, il y a donc des comportements différents, avec des oiseaux qui ont tendance à passer l'hiver à proximité de leur zone de nidification. Donc ce sont des oiseaux que l'on va trouver aux Pays-Bas, dans le sud de l'Angleterre ou en France. Et puis d'autres oiseaux qui vont effectuer des migrations beaucoup plus longues et qui vont aller passer l'hiver en péninsule ibérique, au Maroc ou en Afrique de l'Ouest. Dans les années 90, je collaborais avec un chercheur allemand qui travaillait sur la vaucette et qui s'intéressait aux stratégies de migration de cette espèce. Et ce qui l'intéressait, c'était que, comme dans le golfe du Morbihan, on est un site d'hivernage et un site de reproduction, il se demandait un peu, finalement, pourquoi les avocettes du golfe migreraient-elles. Et donc, le but du jeu du bagage, c'était de voir est-ce que les avocettes qui nichent dans le golfe ont le même comportement migrateur que les avocettes allemandes. Afin de mieux comprendre le phénomène de migration, Guillaume Gélineau entame en 1996 un programme de suivi individuel, rendu possible par le bagage des avocettes. Le suivi nécessite de capturer les oiseaux quelques minutes, le temps de les équiper de bagues. C'est cool, hein, comme ça. Oui, on a fait. Ah oui. Bon, les albatros, ça doit pas trop se débattre, ça. Un peu. Non, les coups de bec font mal. Ouais, par contre. Tout d'abord, l'équipe de bagueurs professionnels va poser une petite bague en métal qui possède à la fois un numéro individuel ainsi que le nom du muséum national qui pratique le bagage.
Alors, FS88552. Les ornithologues mesurent ensuite certains paramètres biométriques, tels que la taille de la patte, du bec, de l'aile et le poids. 103 pour le tarsusier. Et nous, sur les 5, il y en a un qui s'est envolé. Donc, du coup, on a chopé un autre petit qui traînait dans le lot. 120 pour l'aile. Enfin, chaque oiseau est équipé d'une combinaison unique de bacs couleur. Les bagues paraissent imposantes, mais n'altèrent pas la survie de l'individu. De plus, ce dispositif permet de l'identifier par simple contact visuel, de loin et sans interférer avec ses activités. Grâce au code couleur détecté, chacun peut participer au programme de suivi et retrouver l'historique de l'oiseau sur le site internet de Bretagne Vivante. Ce système permettra ainsi de collecter des informations tout au long des voies de migration. Après le bagage, les avocettes sont remises à leurs familles respectives et poursuivent leur vie normalement. Depuis 1996, 2500 individus ont été bagués et on comptabilise près de 55 000 réobservations. L'analyse de ces données a permis aux scientifiques de remarquer une évolution du comportement des avocettes. En 2006, ce n'est pas un scoop, on a trouvé ainsi un certain nombre d'oiseaux au Portugal et en Espagne qui avaient été bagués sur les colonies de reproduction en France. Mais ce qui nous a étonné, c'est que c'était principalement des oiseaux âgés, dont certains étaient déjà connus pour hiverner sur ces sites. On a commencé à ce moment-là à formuler l'hypothèse que, en l'espace de 10 ans, il y avait peut-être eu un changement dans les comportements migratoires des avocettes du littoral atlantique français. La jeune génération d'avocettes aurait donc tendance à perdre sa nature voyageuse et trouverait ici à s'aimer de quoi subsister l'hiver. L'avocette vit 25 ans et est fidèle à son site de nidification. Au sein du marais, elle retrouve chaque année des individus familiers et d'autres inconnus. Ensemble, ils forment un tissu social dense et complexe. Les espèces sont souvent considérées comme des masses indissociables. Avec nos yeux humains, qu'est-ce qui ressemble le plus à une avocette qu'une autre avocette? Au-delà des découvertes scientifiques, pour Guillaume Gélino, ce programme de bagage a permis d'individualiser l'animal. Migrer, rester, faire des petits sont autant de décisions importantes dans la vie des avocettes et qui varient d'un individu à l'autre. À la fin de l'été, certaines partiront, d'autres non. Nous pouvons à présent observer ces comportements, mais nous ne les expliquons pas davantage. Les scientifiques cherchent maintenant à déterminer les causes de ce changement, mais également à observer s'il sera salutaire pour l'espèce. Ces 17 ans de recherche ont finalement soulevé d'autres questions. Dans les 17 années à venir, qui pourrait deviner ce qu'on va découvrir ?